Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine et nous entamons le premier jour de novembre. Nous sommes le vendredi 1er novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'ai une grosse pensée pour ceux qui sont... ceux et celles qui sont partis dans l'autre monde. J'ai une pensée évidemment pour des personnes de ma famille et de mon entourage, car c'est la Toussaint aujourd'hui, donc c'est la fête de tous ces décédés, c'est la fête des morts, morts terrestres, mais pas la mort céleste, n'est-ce pas? Avant de commencer, pensée positive de ce 1er novembre, peu mais bien, cessez de vouloir tout faire et tout réussir. Mieux vaut réaliser moins de choses, mais les faire bien. Et aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 16. Tes yeux et ton cœur parle en même un même langage que ta bouche peut détruire en une seconde. Alors prends le temps de les accorder. Côté professionnel, le conseil, restez neutre et bien dans chaque situation. Il vous suffit de comprendre que les pensées des autres ne font pas partie intégrante de vos choix et de vos décisions. Attention de ne pas laisser vos paroles dépasser vos pensées, car vous savez, les paroles, ça peut blesser, ça blesse énormément. Donc, que vos paroles ne dépassent pas vos pensées dans un moment de colère, n'est-ce pas? Voilà le conseil au point de vue professionnel. Conseil finance, si un conflit financier persiste, il serait peut-être bon de prendre le temps. Prendre le temps de regarder, toutes les solutions qui s'ouvrent à vous et de vous souvenir que vous avez toujours une part de responsabilité dans les discordes, n'est-ce pas? Donc regardez bien, scrutez, voilà. Côté sentimental, encore une fois, chaque histoire est unique. Ce que vous vivez a son importance dans votre vie, n'est-ce pas? Sachez en prendre conscience afin de laisser tomber, la colère et les doutes. Les mots sont souvent donnés par impulsion d'amour ou de colère, et prendre le temps d'écouter votre cœur est la clé de votre problème. Si vous écoutez votre petit cœur, vous ne serez pas rude dans vos paroles. Au contraire, ça ne sera pas de la colère, ça sera de l'amour, ça sera des pulsions d'amour que vous aurez. Donc faites attention à vos paroles. Et je termine avec le conseil spirituel. Vous devez ne faire qu'un avec votre mental et votre esprit. Comment voulez-vous évoluer si votre cœur aime et que vos mots jugent? Nous ne sommes pas ici pour juger, n'est-ce pas? On ne veut pas être jugé, mais nous n'avons pas le droit de juger. Balayons devant notre porte avant d'émettre une opinion, de juger. Voilà, ça c'est... Il faut évoluer et être toujours dans le juste. Et vous savez, notre Créateur, lui peut juger. Il jugera là-haut, mais pas nous.
Je termine avec le petit message de Ho'oponopono, n'est-ce pas? Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Je répète, hein, parce que ça vaut la peine que vous écoutiez, que vous preniez conscience de ce que je vais dire ici, parce que je le prône bien souvent dans mes capsules. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Eh bien, le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Et je vais encore me répéter, oui, c'est exact, parce que moi, je vous le dis en connaissance de cause. Quel poids de soulagement quand on arrive à pardonner. On n'a plus cette souffrance, cette colère, cette rancune, cette rage. Voilà. Très très beau message pour terminer cette semaine et pour commencer ce mois de novembre, et encore une fois, une belle fête à tous les défunts. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et puis un très 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 beau week-end. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.